Nous allons commencer la troisième session. Le sujet d'aujourd'hui se décline dans quatre points. Premièrement, je vais parler de l'évaluation des projets d'APD. Deuxièmement, je vais expliquer l'évaluation rigoureuse et son rôle dans la décision de politique. Troisièmement, je vais aborder les conditions pour que le gouvernement mène à bien l'évaluation rigoureuse. Dernièrement, je vais conclure cette session en présentant les conditions de l'innovation de politique. Commençons par l'évaluation rigoureuse qui est essentielle pour l'élaboration de politiques éclairées par les données probantes. Nous pouvons trouver la définition d'évaluation dans plusieurs livres et dossiers. Selon le CAD, l'évaluation est d'examiner si nous avons réalisé l'objectif de l'APD. Avec les critères suivants, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité, qui sont respectivement relevance, efficiency, effectiveness, impact, sustainability, en anglais. Cette définition du CAD partage les mêmes idées avec ce que je vous ai expliqué dans la session dernière. Il faut vérifier si le moyen de politique est efficace et approprié pour que nous arrivions à un but. L'essentiel de l'évaluation est de voir si nous sommes réellement arrivés à l'objectif d'une politique. Selon un document publié par la Maison Blanche, l'évaluation consiste à obtenir des données pour la décision d'une réglementation ou d'une politique. Comme je vous l'ai expliqué, l'élaboration d'une politique nécessite des données qui témoignent que la théorie fonctionne bien. Et elle doit être basée sur ces données. Donc, l'évaluation est un processus dans lequel nous obtenons les données. Nous avons appris l'APD coréenne pendant la dernière session et aussi appris les caractères de l'APD comme politique ainsi que les conditions pour bien élaborer une politique pendant la deuxième session. Et maintenant, nous allons apprendre l'évaluation qui est indispensable dans la création de l'inventaire des données pour bien élaborer une politique. Comme je vous l'ai dit, selon le CAD, l'évaluation se fait par les cinq axes. La pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité. Nous allons les appeler les critères de l'évaluation. Les cinq critères sont un peu différents les uns des autres, mais ils consistent tous à confirmer si nous arrivons à un but, c'est-à-dire que nous vérifions si un moyen satisfait les cinq critères pour atteindre un but. Voici cette image. Elle concerne la théorie de politique que je vous ai expliquée pendant la deuxième session. Selon cette théorie, comme vous le savez, nous avons besoin de buts, de politique et de plusieurs inputs. Puis, nous espérons obtenir l'outcome comme conséquence. Et tous ces éléments, c'est-à-dire le but, l'input et l'outcome, doivent être corrélatifs. Ici, la flèche signifie la corrélation entre ces éléments. L'évaluation est d'examiner chaque flèche, à savoir la corrélation entre les éléments. Nous parlons souvent des critères de l'évaluation. Les critères de l'évaluation nous permettent d'examiner si ces flèches relient pratiquement les éléments les uns aux autres, Il en va de même pour les cinq critères du CAD. Comme indiqué ici, nous confirmons la corrélation entre ces éléments en nous basant sur les critères du CAD. Maintenant, je vous explique une autre notion un peu difficile. L'impact est le critère le plus important. L'impact consiste à observer des changements qu'une politique a réellement créés. L'impact est invisible. C'est pourquoi il est très difficile de chiffrer l'impact. Mais c'est la notion la plus importante. Par exemple, supposons que le gouvernement coréen dispense une formation pour les chômeurs dans les pays A et B en développement comme indiqué sur ce tableau. Par conséquent, 85% de personnes dans le pays A ont obtenu un emploi contre 62% dans le pays B. D'après ces chiffres, le gouvernement coréen a affiché un meilleur résultat dans le pays A. Mais si nous posons la question, 85% et 62% sont-ils tous embauchés grâce à la formation du gouvernement coréen La réponse est non. Combien de personnes auraient pu obtenir un emploi si la formation n'avait pas été dispensée en théorie, nous ne pouvons pas y répondre parce que ce n'est qu'une hypothèse. Mais supposons que cette hypothèse soit chiffrable. Quand aucune formation n'est dispensée dans les deux pays, 80% de personnes du pays A peuvent se mettre au travail au fur et à mesure que l'économie s'améliore, contre 47% du PIB. De cette hypothèse, nous pouvons constater que la formation du gouvernement coréen a augmenté de 5% de taux d'emploi dans le pays A et 15% dans le PIB. Si nous ne considérons que les chiffres nominaux, le PIA semble afficher un meilleur résultat avec 85%. Cependant, l'impact réel dans le PIA est beaucoup moins important que celui dans le PIB. Donc, la formation dispensée dans le PIB est plus efficace que celle dans les PIA. Mais, en réalité, nous ne pouvons pas mesurer combien de personnes obtiennent un emploi sans formation. L'impact en rouge sur le tableau est invisible. Donc, il est très difficile d'évaluer l'impact. La définition de l'impact de la Banque mondiale est similaire. En respectant cette définition, elle estime l'écart entre un réel changement induit par un projet et un éventuel changement qui pourrait se produire au cas où nous ne menions pas de projet. Comme indiqué ici, on appelle cet éventuel changement le counterfactual outcome. Et l'écart entre l'outcome et le counterfactual outcome devient l'impact. Puisque l'impact est invisible, nous pouvons le mesurer avec une étude scientifique très rigoureuse. Ce qui est le plus efficace est la Randomized Experimental Evaluation. C'est l'évaluation expérimentale randomisée en français. Empruntons encore l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. La formation pour les chômeurs. Pour la Randomized Experimental Evaluation, on sélectionne un échantillon aléatoire de 1000 personnes et puis répartit ces 1000 personnes en deux groupes. Ainsi, 500 personnes se trouvent dans le groupe A et les autres 500 personnes entrent dans le groupe B. Puis, on va voir comment change le taux d'emploi de chaque groupe. Si on donne une formation uniquement au groupe B, nous allons aussi observer le Counterfactual Outcome. C'est-à-dire, nous pouvons observer l'impact en supposant une situation où nous ne menions pas de projet. Utiliser le tirage au sort ou le jet de dés ou rouler des balles numérotées pour répartir un échantillon aléatoire et mener un projet uniquement à un groupe. C'est ce qu'on appelle la randomized experimental evaluation. La randomized experimental evaluation est l'évaluation la plus juste et l'évaluation scientifique est rigoureuse pour l'élaboration de politiques éclairées par les données probantes. Comme vous voyez ici, la randomized experimental evaluation était une des méthodologies principales d'évaluation. dans le domaine de la pédagogie et de la psychologie dans les années 1920, et puis également dans la médecine dans les années 1960. Ce sont les États-Unis qui ont utilisé la Randomized Experimental Evaluation pour la première fois. En 1968, les États-Unis ont effectué une évaluation expérimentale à New Jersey. pour mesurer des effets d'une sorte de revenu de base. Et puis, depuis les années 1970, le gouvernement fédéral des États-Unis, et plusieurs ministères américains comme le ministère du Travail, le ministère de la Santé et de l'Agence des Enfants et de la Famille, ont commencé à appliquer la Randomized Experimental Evaluation, dite le RCT, ou le Randomized Controlled Trial pour mesurer les effets d'une politique. En 1974, les États-Unis ont installé l'organisme de recherche spécialisé dans les politiques sociales qui s'appelle le MDRC. À la fin des années 1990, l'Europe et les organismes internationaux comme la Banque mondiale ont recouru au RCT. Et aujourd'hui, la Banque mondiale et des organisations mondiales de l'APT appliquent plusieurs types de RCT. Comme je vous l'ai dit, selon le gouvernement américain, il faut l'évaluation rigoureuse pour l'élaboration de politiques éclairées par les données probantes. L'évaluation rigoureuse doit être scientifique. Et la randomized experimental evaluation en est le seul moyen. C'est pourquoi l'application de la Randomized Experimental Evaluation est indispensable lors de l'évaluation d'une politique aux États-Unis. Cette évaluation m'a intéressé, alors je me suis spécialisé en évaluation expérimentale. Ici, vous pouvez voir un organisme privé à but non lucratif qui s'est installé sous le parrainage du gouvernement américain. Pour l'Evidence-Based Policymaking. Selon un rapport publié par cet organisme, la Randomized Experimental Evaluation est le moyen le plus puissant pour mesurer les effets d'un projet. Ce n'est pas tout. Plusieurs documents publiés par des organismes tels que l'Académie américaine des sciences ou l'Office général de comptabilité des États-Unis indiquent que, La randomized experimental evaluation est également qualifiée d'indispensable pour élaborer une politique basée sur les données. En résumé, une bonne politique nécessite toujours des données qui doivent être établies par la randomized experimental evaluation. Comment la randomized experimental evaluation se passe En fait, c'est une évaluation très difficile à effectuer. Donc, même le gouvernement coréen n'arrive pas encore à la faire. De meilleurs organismes donateurs comme celui américain ou la Banque mondiale effectuent la Randomized Experimental Evaluation pour évaluer leurs projets d'APD développés dans un pays en développement. Sur le long terme, la Corée doit aussi introduire la Randomized Experimental Evaluation pour disposer d'une évaluation rigoureuse. Comment pouvons-nous introduire cette évaluation Ce diapositif montre la procédure de l'évaluation randomisée. Si on regarde l'étape par étape, on peut constater que l'évaluation prend au moins 5 ans, même 15 ans au maximum. C'est-à-dire, pour faire une donnée probante, il faut 10 ou 15 ans en général. Établir une politique après avoir évalué pendant 10 ou 15 ans pour obtenir des données probantes, ce n'est pas possible en réalité. Quel pays peut sacrifier 10 ou 15 ans pour établir une politique Les États-Unis sont le seul pays qui peut le faire. Parce qu'il existe des problèmes autres que le temps, voici une image un peu complexe. Pour effectuer une évaluation rigoureuse, comme vous voyez sur cette image, nous avons besoin d'expertise, de temps, de budget, de données et un bon moment pour l'évaluation. Toutes ces conditions sont nécessaires pour procéder à une évaluation rigoureuse. Qui plus est, le gouvernement doit s'équiper du mécanisme financier qui permet de donner une motivation innovatrice entre les ministères et de gérer les performances. Il n'y a guère de pays équipés d'un tel mécanisme. Seulement, quelques pays en sont équipés, dont les États-Unis. En effet, la Corée n'en est pas équipée. J'ai fait une image illustrant la politique américaine, la governance. Je ne vous expliquerai pas en détail, mais comme vous voyez ici, divers organismes gouvernementaux portent une complexité et donc, ils donnent des indications, contrôlent et rapportent mutuellement. Une telle relation minutieusement structurée permet d'établir un système de gouvernement qui mène à bien une évaluation rigoureuse comme celui des États-Unis. Les États-Unis sont un bon exemple qui met en place une évaluation rigoureuse. Je viens de vous montrer une image illustrant le mécanisme de gouvernance qui est conçu de façon complexe, mais il est difficile de vous expliquer en détail. Pour vous expliquer pourquoi les États-Unis est un pays exemplaire, j'ai fait ce dessin. Sur le fond, les États-Unis prescrivent l'auto-évaluation quand un ministère élabore une loi. Étant donné que l'évaluation a pour objectif d'obtenir des données qui permet de bien établir une politique, il est plus efficace que les responsables d'une politique effectuent l'évaluation de leur politique. Mais dans la plupart des pays, le ministère chargé de l'élaboration des politiques et le ministère chargé de l'évaluation ne sont pas identiques. Et dans ce cas, ce dernier évalue une politique du premier au travers de l'inspection ou du contrôle. Comme le but de l'évaluation est d'obtenir des données probantes pour établir une politique efficace, L'auteur de la politique doit exercer une auto-évaluation. Comment nous pouvons faire une auto-évaluation d'une politique de façon scientifique et objective La réponse, nous devons appliquer un mécanisme indiqué sur cette image. Je vous explique avec un exemple. Le bâtiment en haut de l'image qui ressemble à un temple grec, c'est une banque. Une grande banque. Et il y a une cantine dans cette banque. La plupart des consommateurs de cette cantine doivent être des employés de cette banque, n'est-ce pas Alors cette banque que vous voyez sur cette image loue une partie de son bâtiment à quelqu'un pour tenir une cantine. Et cette cantine n'a pas de souci pour ses affaires, comme les employés y fréquentent. Cette situation garantit un certain chiffre d'affaires. Cependant, un autre problème est soulevé. Bien que les plats de cette cantine ne soient pas bons, les clients viennent manger quand même. Pour prévenir ce genre de problème, en général, la banque contrôle tout d'abord le prix d'un plat, comme vous voyez ici. Ensuite, elle contrôle la qualité des plats en inspectant la cuisine et en goûtant les plats. Beaucoup le font, mais ce n'est pas un bon moyen. Comparons cela au mécanisme américain. La cantine est le ministère qui élabore les politiques. Et la banque est la Maison Blanche. Lors de l'élaboration d'une politique, la Maison Blanche peut obtenir des données. Et puis elle peut inspecter les rapports et même les lieux. Et elle peut contrôler et vérifier aussi si l'evidence-based policy-making a eu lieu. Mais ce n'est pas un bon moyen. Alors, qu'est-ce qu'un bon moyen Voici. En premier, la banque conclut un contrat avec la cantine. Ce contrat indique le prix des plats et la condition de renouvellement. Nous allons mener une enquête sur la satisfaction des employés un an après. Si 90% des employés ne sont pas satisfaits dans cette cantine, vous ne pouvez pas renouveler le contrat. Et puis, la banque n'intervient pas du tout. Au bout d'un an, la banque procède à une enquête pour savoir le degré de satisfaction des employés sur la cantine. Si le degré de satisfaction est de plus de 90%, la banque n'a qu'à renouveler le contrat. Du côté de la cantine, elle essaie volontairement d'améliorer les qualités des plats pour qu'elle puisse renouveler le contrat. Un tel mécanisme est utilisé par le gouvernement américain. Dans le cas de l'administration américaine, au début de l'année, la Maison-Blanche s'accorde avec les ministères qui élaborent les politiques. Par exemple, le ministère de la Santé s'accorde sur la diminution de taux de pauvreté chez les enfants jusqu'à la fin de l'année. La Maison-Blanche n'intervient jamais sauf pour le soutien financier et technique. À la fin de l'année, la Maison-Blanche examine le taux de pauvreté chez les enfants. Si le ministère n'arrive pas à atteindre son objectif, il est désavantagé comme la réduction de son budget annuel. Pour éviter les désavantages, pendant toute l'année, les ministères américains travaillent sérieusement et font une auto-évaluation des politiques pour innover les politiques et obtenir des données concernées. Ça, c'est le mécanisme du gouvernement américain. Les gouvernements de la Corée et des pays francophones doivent être administrés de telle façon. Il existe un terme qui définit ce mécanisme. C'est le top-down target, bottom-up innovation. Selon ce terme, la distribution de l'objectif se fait de haut en bas et l'innovation se produit de bas en haut. Le mécanisme indiqué sur l'image que nous avons vue tout à l'heure est un mécanisme qui permet de réaliser le top-down target, bottom-up innovation. Donc, les ministères expérimentent un apprentissage innovant qui leur permet de trouver les moyens les plus efficaces afin d'atteindre les objectifs assignés par le haut. Par conséquent, les ministères ont une motivation volontaire d'établir une bonne politique en effectuant une auto-évaluation. Le top-down target bottom-up innovation, en français la distribution de l'objectif descendante et l'innovation ascendante, peuvent être réalisés grâce à l'incentive regulation mechanism. Entre les deux images dont je me suis servi pour expliquer la cantine à la banque, la première image parle de la command and control regulation. Et la deuxième image parle de l'incentive regulation mechanism. Donc, l'innovation peut avoir lieu spontanément si la relation interministérielle est définie par un mécanisme de la régulation basé sur les incitations que nous pouvons voir sur la deuxième image. Ce principe peut être appliqué non seulement au gouvernement, mais aussi à toutes sortes d'institutions. En résumé, tout d'abord, il est important que l'innovation se produise toute seule à travers l'incentive regulation mechanism. Ensuite, il faut assouplir des restrictions qui rendent difficile la réalisation des évaluations. Parmi les restrictions à assouplir, celle la plus problématique concerne les données. Pour une évaluation scientifique, nous avons besoin de données statistiques. Dans la plupart des pays, les données statistiques ne sont pas élaborées. En plus, elles ne sont pas accessibles en raison de la protection des données personnelles. Il est donc impératif d'élargir le champ de disponibilité des données. Les États-Unis obligent l'accès à toutes les données pour les études de politique. par la loi Foundation for Evidence-Based Policymaking Act, qui est instituée en 2018. Cette loi stipule l'accès public aux données et l'établissement d'un site portail où on peut accéder facilement aux données. Ensuite, la deuxième restriction à assouplir concerne le budget. Souvent, on ne peut pas effectuer une évaluation à défaut de budget. Aux États-Unis, un règlement oblige à mettre une partie du budget à part pour effectuer des évaluations. On appelle cela le règlement Set Aside. Prenons un exemple du projet intitulé Teacher Incentive Found. Dans ce projet, 5% de la subvention du projet doivent être consacrés à l'évaluation du projet. Si vous voyez ici, d'après une loi établie en 1970, le ministère de la Santé doit mettre à côté 1% du budget d'un projet au maximum pour l'évaluation. Dans ce projet, Human Resources Services and Education, il faut garder 2,4% du budget pour l'évaluation. Tous ces règlements sont indiqués dans la loi. La troisième restriction à assouplir qui rend difficile l'évaluation concerne le temps. Comme je vous l'ai déjà dit, une évaluation rigoureuse prend beaucoup de temps. Alors que les politiciens et les hauts fonctionnaires veulent avoir le résultat d'une évaluation aussitôt. Certes, ils sont nombreux qui ont hâte d'avoir le résultat. Mais une évaluation rigoureuse et scientifique nécessite beaucoup de temps. Comment peut-on surmonter ce dilemme c'est l'enjeu. Je vous présente la solution des États-Unis. Au lieu d'évaluer une politique problématique sur l'heure, ils anticipent des problèmes de la politique qui pourraient avoir lieu dans 5 ou 10 ans et rassemblent des données pour faire face à ces problèmes en faisant l'évaluation à l'avance. Et quand un problème de la politique est apparu, il crée une nouvelle politique en ayant recours aux données déjà obtenues. Donc les États-Unis surmontent des problèmes en préparant des données à l'avance et sans cesse. Lorsqu'une évaluation scientifique est difficile, le manque d'expertise peut être un problème. Pour assouplir les restrictions à travers des connaissances professionnelles, les États-Unis ont instauré l'Office of Evaluation Sciences au sein du gouvernement fédéral en 2015, ce qui permet aux organes gouvernementaux de demander des conseils ou des aides pour mener une évaluation. Rappelez-vous bien qu'un bon gouvernement pourra établir une bonne politique dans l'avenir, à condition que nous formions des experts d'évaluation à l'avance. Pour finir, aux États-Unis, la Foundation for Evidence-Based Policymaking Act prescrit de placer un poste de qualité qui est chargé d'évaluation au sein du gouvernement, comme il y a le PDG dans une entreprise. On appelle ce poste l'agent de statistique ou le directeur des données, Chief Data Officer, CDO en anglais. Je récapitule. L'évaluation est nécessaire pour élaborer une bonne politique. Et nous devons élaborer une politique en nous fondant sur les données probantes. Ces données probantes doivent être utilisées à une évaluation rigoureuse. Pour qu'un gouvernement effectue une évaluation rigoureuse, le gouvernement doit être construit par le mécanisme basé sur l'incentive regulation où l'innovation se produit spontanément. Et le gouvernement doit bien se préparer afin que les évaluations soient bien menées sans se soucier des restrictions telles que le manque des données, de budget et de l'expertise. Merci beaucoup pour votre attention.